Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, moi ça va, tout va bien. Bon, cette séance-là, c'est pour vous montrer une façon d'avoir élevé, enfin, c'est une façon d'élever des rennes avec starter et finisseur. Alors donc, je précise que c'est la version courte que je réalise cette fois-ci. Donc, cette version est plus courte parce que je crois que c'est l'épisode 33 de la saison 1 2022, je crois que c'est ça, où là où j'ai la version longue qui dure une heure où c'est beaucoup plus détaillé. Voilà, d'accord. Donc là, je vous présente mon petit rucher d'élevage que j'ai réalisé carrément chez moi. Et donc, on va voir tout ça. Alors, je vous présente donc mon starter. Voilà, j'ai fait un trou pour pouvoir y mettre le cadre d'élevage futur. Donc, une ruchette bien fermée, étanche, hein, évidemment, que pas que les abeilles puissent s'évader. Dessous, j'ai un grillage d'aération, le maximum, parce qu'elles vont avoir tendance à chauffer, à s'exciter, et puis... et de faire rater le processus. Ensuite, j'ai un cadre bâti pour pouvoir mettre de l'eau dedans, parce qu'il va leur falloir de l'eau. Un cadre de miel d'un côté et de l'autre, hein, avec du pollen si possible. Voilà. Le trou donc du cadre. Ensuite, encore un cadre de miel et pollen. Voilà, d'accord. Enfin, surtout du pollen, celui-ci. Et puis, à l'autre extrémité, une partition. Voilà. Qui tient chaud toute cette grappe, parce que le but c'est de serrer toutes les abeilles et les concentrer au maximum sur le cadre d'élevage, qui est pas de couvert à s'occuper, et toutes ces jeunes abeilles vont faire que de s'occuper des larves et rien d'autre. C'est la chose la plus importante, hein. Voilà, tout à l'heure il sera plus vide, forcément, parce qu'on le remplit d'eau et là il y va. Ensuite, donc, je remplis d'eau le cadre d'un côté et de l'autre. Et il y va facilement 1 litre, voire 2 litres d'eau dans le cadre. Hein. Alors, faut pas prendre un cadre tout percé, tout truc. Hein. Un cadre suffisamment bâti pour contenir l'eau. Ça, c'est la chose très importante. Voilà. Après, on a le cadre de miel qu'il faut s'occuper. Alors, l'idéal, c'est de le désoperculer un petit peu pour qu'elle puisse prendre le miel plus vite fait et pas qu'elle dépense de l'énergie à désoperculer. Voilà, donc là, je le gratte comme ça avec mon lève-cadre ou avec un outil, une fourchette, enfin, ce que vous avez. Je vais faire de même pour l'autre cadre, hein, où il y a encore du miel, là, celui où il y a du pollen. Voilà. Donc là, j'enlève les cadres pour laisser place aux abeilles que je vais secouer dedans. Mais avant tout, j'ouvre le finisseur. Je vais chercher la reine. Et je vais prélever des jeunes abeilles. Alors je vais isoler la reine dans une pince pour être sûr qu'en secouant les cadres de jeunes abeilles dans le starter, que je ne prenne pas la reine. Donc là on voit bien la grille à reine qui sépare les deux compartiments, hein, parce que là au-dessus c'est la partie où il va y avoir la reine et puis celle du tout l'élevage. Donc je
commence par enlever la cloison de séparation et je commence à chercher la reine. Donc là je la trouve, je la prends, on le voit pas bien, mais je l'attrape par la pince, si on la voit un peu là. Voilà, je la laisse sur la ruche, au chaud des abeilles. Et là, j'attaque à secouer tout le couvain ouvert, où je suis sûr qu'il n'y a que des jeunes abeilles. Donc je prélève un cadre, je prélève l'autre, et là je regarde plus s'il y a la reine, parce que forcément je l'ai isolée. Hein. Et là je remplis la ruchette, et là il faut que cette ruchette, dans le terme, il faut qu'elle dégueule d'abeilles. Il faut vraiment qu'elle soit pleine de jeunes abeilles. Alors tout ce qui vole, on ne s'affole pas, parce que toutes celles qui volent, ce sont des abeilles un peu plus âgées, donc ce n'est pas celles qui nous intéressent. Et celles qui restent, ce sont des jeunes abeilles. Donc, on ne s'affole pas. Donc, je balaye, je ramène un peu tout ça, là. Et, une fois que c'est tout rempli, je repositionne les cadres tels que je l'ai montré précédemment. Voilà. Là, je vous montre à quoi ressemble un starter bien peuplé, quoi. Hein. C'est blindé. Voilà. Donc là, je referme. Et là, je vais organiser le finisseur prêt à recevoir le cadre de greffage qui aura lieu 24 heures après, dans ce compartiment-là. Donc, je positionne près de la grille à rennes un cadre ouvert de jeunes abeilles. Et après, je prendrai ce cadre de greffage que je mettrai dans le compartiment où j'ai laissé de la place. Donc là, j'ai couvain, 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 couvain operculé et là, couvain ouvert. D'accord ? Après, et là, j'ai le couvain ouvert aussi de l'autre côté pour faire l'échelle sociale, pour que les jeunes abeilles passent de là à là, au travers la grille à rennes. Voilà. Donc, le starter, il est prêt. Je serre tout le monde contre vers le compartiment d'élevage. La reine étant toujours isolée, je vais pouvoir maintenant la libérer. Donc là, le starter, il est fermé hermétiquement, enfin hermétiquement d'abeilles, hein, évidemment. Et je le mets à l'ombre pendant 24 heures, en ayant mis un peu de sirop. Là, je vais aller prélever donc des jeunes larves. En fait, le starter, je le prépare le matin et je fais le greffage l'après-midi. Hein. J'ai oublié de préciser. Donc là, je balaye, j'ai trouvé un cadre donc, de la souche sélectionnée. Alors pourquoi je balaye, pourquoi je ne secoue pas, ben, c'est pour éviter de déplacer les larves pour mieux les prélever. Voilà. J'humidifie la barrette de greffage. Ça, c'est hyper important pour pas que ça se dessèche. Et ensuite, j'utilise ce picking. Voilà, picking chinois. Et là, je prélève des larves de 12 heures à 24 heures. Pas des œufs. Hein. Et je mets ça dans les cupules. Voilà. Celle-là est faite. Et là, ça tombe pas. Pourquoi ? Parce que c'est collé par capillarité. Ensuite, ces barrettes, je mets ça dans un torchon humide pour pas qu'elles se dessèchent, pour me laisser le temps d'aller au rucher d'introduction du cadre d'élevage. Là, je suis au rucher, arrivé. Je déballe mes... Enfin, c'est dans un autre rucher. Je déballe mes barrettes. Je les mets en place sur le cadre d'élevage. Voilà, pour une. Je mets la deuxième. Donc là, le cadre est prêt à être mis dans le starter. Maintenant, on va s'occuper du starter, qui est orphelin.
Depuis ce matin. Là, on est l'après-midi. Hein. Voilà. Donc, une petite technique. Je prends la ruchette et je la secoue un bon coup par terre. Boum. Qu'est-ce qui se passe? Les abeilles tombent au fond de la ruche. Et j'introduis mon cadre de greffage. Voilà. Je referme. Et voilà, mon starter est parti pour 24 heures. Là, on est à J0. Je ferme bien parce que des fois, les abeilles poussent. Elles arrivent à soulever presque la toiture. Ça m'est eu arrivé sur des mini plus ou des choses comme ça. Voilà, 24 heures après, donc ça, c'est le lendemain, à J+1. Le but de cette opération, c'est de prélever le cadre d'élevage du starter que je vais enfin passer au finisseur. Voilà. Donc, on voit que il n'y a pas beaucoup de population pour l'instant, mais ça va changer. Je vais commencer à secouer toutes les abeilles dans le finisseur. On est sûr que dans ce compartiment-là, il n'y a pas la reine. Je prélève mon cadre de greffage. J'en profite pour voir si les cellules, elles ont bien pris, si elles ont bien été prises en charge par le starter, par les jeunes abeilles. Alors j'y vais doucement, parce que c'est quand même un peu fragile. Donc là, je compte quelques cellules. Il y en a pas mal. Et en fait, j'ai 20 cellules sur 24. Je crois que c'était quelque chose comme ça. Une bonne moyenne. Hein. Voilà. L'avantage du starter, c'est que ça permet de donner un bon coup de start au niveau de l'élevage. Et après, les abeilles le prennent en charge plus facilement. Donc, je vais récupérer voilà, ce carne et je l'introduis dans le finisseur. Et elles vont finir. Et toutes les abeilles du starter, comme elles sont en provenance de la même colonie, ben, je vais secouer les abeilles dedans. Et ces abeilles-là vont aller dans ce compartiment-là aussi, parce qu'elles sentent les cellules aussi. Donc, je prends chaque cadre et je secoue dedans. J'aurais pu le faire avant d'introduire le cadre de greffage, ça aurait été plus facile pour peupler. Mais je voulais voir quand même aussi l'état des cellules. Donc il y a quelques abeilles qui tombent à côté, mais bon, ça, peu importe. Le tout, c'est de bien peupler le finisseur. Voilà, je secoue tout le monde dedans. Là, c'est le cadre d'eau. Voilà. Alors ça vole un peu, mais bon, c'est normal, de toute façon tout le monde va rentrer. Hein. Il y a suffisamment d'abeilles qui vont prendre en charge ces cellules. Voilà, j'en profite pour ramener tout ça avec la balayette. Voilà, et je referme. Et voilà, donc là c'est parti pour aller jusqu'à J+5, c'est-à-dire 5 jours après le greffage, pour soit mettre les bigoudis, soit mettre les cellules en couveuse. Voilà. Et rebonjour les apis. Donc nous sommes à J+5, légèrement un peu plus que J+5. J+5 au plus près, où là on va retirer les cellules royales du finisseur. Donc J+5 c'est 5 jours après le greffage, qui est J0, hein. Donc je rappelle que ce cadre était passé en starter, puis 24 heures après
après passer en finisseuse comme vous voyez là-bas derrière. Et nous allons rétablir le finisseur en mode repos. Donc ce cadre qu'on va récupérer, ça va être que des cellules royales au perculé maintenant. Hein. On peut les bouger jusqu'à J plus 5, 5,5. Sachant qu'après, il ne faut plus les bouger jusqu'à J plus 10. Hein. À partir de J plus 10, vous pouvez les rebouger. Entre, c'est la période rouge. Hein. Parce que la cellule, enfin la larve est pendue par un fil qui est extrêmement fragile. Alors il se peut qu'il y ait quelques cellules qui ont été délaissées. Celle-là est tordue. Pas pourquoi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. 24 sur 26 cellules. C'est pas mal, hein? Donc, ces cellules-là, je vais les passer en couveuse. Sinon, si vous n'avez pas de couveuse, vous pouvez mettre des tubes protecteurs qui s'appellent les bigoudis et remettre le cadre dans le finisseur jusqu'à J plus 10. Hein. Si elle naît, elles seront protégées. Alors, ce cadre, ça reste quand même fragile. D'accord ? Je vais le mettre dans une ruchette qui est dans la voiture. Sachant que je rappelle, côté élevage, séparé par une grille à reine, et le reste de la colonie où il y a la reine ici. Hein. D'accord. Le couvain avec le couvain. Ça, c'était le couvain ouvert. Voilà, tout le monde retrouve sa place. D'accord? Ça, c'est la partition. Hein. Partition, globalement, je laisse là. Et voilà. Donc j'arrive avec mon cadre de cellules que j'avais mis dans une ruchette en guise de support hein, et je vais glisser donc les barrettes. Alors, il y a un peu quatre abeilles mais bon. Je l'enlève et je mets une barrette ici. Tac.